Salut à tous, salut chers amis. Je vous fais cette petite vidéo, voilà, pour vous faire un appel au calme, garder les choses sereinement. Voilà, donc ne pas tout prendre pour argent comptant dans ce qu'on vous dit, tout ça. Tout se passe à merveille. Et il y a, c'est vrai qu'on est assez pressé, moi le premier, hein, j'attends. Mais bon, il y a un plan derrière. Voilà, donc sur on attendait les choses déjà l'année dernière, en 2020, le 3 novembre, le 16 ou 18 décembre, aujourd'hui, le 6 janvier et le 20 janvier qui est une date aussi importante. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, hein, rassurez-vous, hein, c'est pas parce qu'on ne voit pas ou qu'on ne nous dit pas qu'il ne se passe rien. Plein de choses se font, tout se met en route et tout ça fait partie du plan. Et donc, ayez confiance. Alors là, je fais cette vidéo-là pour vous parler du plan, pour vous dire que ce plan-là, en fait, c'est un grand plan, c'est le grand plan divin. C'est le grand plan divin. Ce plan divin est juste, il doit être là au moment, voilà, donc sur le timing, ils font les choses dans l'ordre. Il y a aussi il y a une stratégie militaire derrière, donc on ne sait pas tout, il y a des tactiques, pour ça qu'on appelle ça, quand on parle, qu'on vous divulgue certaines choses, on parle d'échecs parce que c'est comme un jeu d'échecs et parfois ben, ça prend un peu plus de temps, même si on est pressé que ça arrive. Mais bon, est-ce que nous sommes prêts tous aussi? Sommes-nous prêts? Eh bien, pas forcément, parce que quand ça va passer, quand il va y avoir le basculement, là, ça pourra plus. Il n'y aura plus rien de retour en arrière possible quand le basculement va se faire, donc il faut qu'on soit prêt. Et nous sommes actuellement comme si nous passions un examen au niveau de là-haut, de l'univers. Voilà, donc il faut qu'on réussisse tout cet examen, et cet examen c'est de garder la foi et l'amour, de ne pas s'énerver, de rester calme. Inutile de nourrir le mental et l'ego et de tomber dans des vibrations basses, des choses qui n'en valent pas la peine. Vivez, hein, profitez de la journée, et de toute façon ça va tomber, et pas au moment où on va s'y attendre le plus. C'est vrai que nous on a notre mental qui nous donne des dates, bam bam bam, où il se passe des choses, mais quand on regarde bien derrière, quand on essaye de, comment je veux dire, d'analyser, de décoder ce qui se passe, les codes, les trucs comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a une logique, mais bon, ça demande à creuser. Et là, eh bien, quand on creuse, on trouve ça logique. Et je me dis, bah, ils sont franchement trop forts, trop bons. Donc il faut mettre à la faute aussi, hein, il y a Bidonnet qui est là, qui est maintenant mis en poste. Mais bon, il faut aussi le laisser faire les choses pour que bah, derrière les plans divins s'en chargent. Et puis Doc s'est retiré, c'était prévu, il a laissé les choses au niveau militaire, voilà. Mais il y a aussi, il n'y a pas que tout démarre des États-Unis bien sûr, mais il y a aussi d'autres pays. Je vous ai parlé à certains moments de la tête du dragon à sept têtes, et ben c'est ça, il faut que le dragon à sept têtes tombe, qui représente plusieurs, soit des chefs de gouvernement ou des chefs de grosses entreprises, voilà. Et puis c'est basé, donc le dragon à sept têtes est en Chine. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous pouvez regarder sur internet ou dans la Bible aussi, c'est inscrit. Voilà. Quand il y aura le basculement, quand tout cela va arriver, restez calme. Et ce qui est en train de se produire, le message que nous envoient les êtres de lumière, les guides, c'est que le ciel va arriver avec force et sans tracas. Voilà, mais avec une puissance énorme. Donc voilà,
mais soyons prêts pour le basculement, ne paniquez pas, restez dans des énergies de lumière et d'amour. Positif. S'il y a des petites choses qui vous tracassent, et ben, vous inquiétez pas parce que là on est, dans le chaos, on est dans le truc, on vit ça dedans. Mais ne rentrez pas dans le film, tout ça est un film. Restez à l'extérieur, prenez du recul par rapport à ça. Faites-vous votre propre discernement, c'est important. Écoutez votre cœur. Écoutez-vous, écoutez votre instinct, votre intuition, et ne vous faites pas manipuler, que ce soit par les médias publics, que ce soit tout ça est un film, hein. Voilà, eux ont la puissance de vous faire croire ce qu'ils veulent, vu le nombre, mais bon, et nous on ne peut pas tout vous dire, puisque évidemment on est très vite censuré, donc encore une fois, ça c'est compliqué d'expliquer beaucoup de choses. Je vous ai fait cette petite vidéo rapidement, voilà, pour faire un appel au calme. Et puis surtout, ayez confiance. Et donc je vous le répète encore une fois, c'est un grand plan divin. Ce plan donc divin est juste. Il est juste ce qu'il faut. Il est réglé. Voilà. Donc laissez faire. Attendez. Gardez la foi surtout, et si vous ne vous sentez pas très bien, tout ça, ben vous pouvez faire de la méditation, prier, tout ça. Il y a question également d'un troisième confinement. Pour l'instant, nous n'en parlait pas trop, mais on sait qu'on nous dit à la dernière minute. Ce troisième confinement-là va être important, parce que ça va être, si tout va monter à la surface, et ça va être nécessaire dans la partie nettoyage. Voilà, donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à appuyer sur le pouce, à vous abonner à ma chaîne, et puis je vous ferai d'autres vidéos bientôt, et prenez bien soin de vous. À bientôt, salut à tous, ciao ciao.